film que vous allez voir est né sous une bonne étoile. Monyene ya la jadi jauh ti. Eh, nadala. Dala. Sekarang ni faham dia jadi jauh ti. Tata tarong sama yang tu tu cuci nak beri tu tak mungkin rawing ti. Ti zolan ya. Anjir. Nanti ya reveti. Kata la. Anu langgo ni cangk la. Cangk danjir dala. Tel pada jauh ti. Segera itu pensiun dari dia. Kebet. Ani rengo, cang kerak sahci, cang sahci wete, ay san dulu, ay san kuli, sen sen mukul rengo la dekti. Te zolan iya. Tanah cili chandra mesi, cang ruk sewe na. Te zolan iya. Thank you.
Pantholops oxoni, antilope tibétaine. Oh purée. Sylvain, regarde les détails là. Fantastique. C'est énorme. Les trois. Et il dégage, il soulève tout. Il soulève la poussière. Il soulève la poussière. T'en as un qui a pilé, les autres qui continuent. Tu vois, ils allaient, mais pas tant que ça, hein, après un sprint à 5000 mètres. Hein. Ah ouais. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ils courent. Je l'avais rencontré un jour de Pâques, après une projection de son film sur le loup d'Abyssinie. Et notre amitié était née de mon admiration pour l'artiste. Il m'avait raconté sa vie de photographe animalier et détaillé les techniques de l'affût. C'était un art fragile et raffiné, consistant à se camoufler pour attendre une bête dont rien ne garantissait la venue. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. Pour moi, un rêve, pour lui, un rendez-vous. Là on marche. Tu sais quoi, je vais la tente là, ça pourrait être génial. Là on marche. Qu'est-ce qu'on pense? Bien sûr, on met le campement là. Dès que je vois un peu d'herbe, je me dis il y a des. Non mais là il y a un col là. Ouais. Là si ça monte. Ça. Là ça monte et là il y a un col. Ah oui. Voilà. Après, ça va être une jolie balade parce que là, ça peut être favorable pour baisses, les animaux. Là. Ouais, parce que tu sens là laisser des taches d'herbe. Alors, allons chercher le. C'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, c'est peut-être plus esthétique. Regarde un peu, parce que là, il n'y a pas de. Par contre, il n'y a pas de bouchage. Mais là, ça me inquiète un peu, c'est haut. Hein. 5003. Ah oui, mais c'est haut. C'est haut, mais ça peut être très beau. Avec tes bâtons, de ne pas faire trop de bruit en montant. Avec tes bâtons. Oh, pardon, ouais. Ouais, c'est vrai. De ne pas appuyer trop fort. Mais que cherchait-il, mon camarade, à fouiller ainsi les rochers à la jumelle? Tout n'aurait donc pas été créé pour le regard de l'homme.
Meunier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il avait attendu la venue des loups blancs de l'Esmer, des harfangs de l'Arctique, des rennes de Sibérie. Il s'était posté dans la neige, jour et nuit, fidèle à son principe. Mépriser ses douleurs, ignorer le temps et ne jamais douter d'obtenir ce que l'on désire. Le soleil chauffe. On a l'impression qu'il n'y a rien, c'est un silence, mais non, finalement, t'as plein de petites choses qui... T'as des espoirs qui arrivent ou pas, tu peux... Bon, la panthère, c'est toujours le Graal, mais il y a plein d'autres espèces. Ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de plans différents. Là, comme une place d'affût, c'est vraiment idéal. En plus, à la planteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois des reliefs et des étendues où pèsent les barrages. Les abiures. Quoi. Ouais. Donc, des reliefs de tours et de plateaux. Exactement, une alternance entre les prairies et ces barres rocheuses. Ouais. Ces petits canyons, là, attends, là, c'est royal pour elle. C'est beau, ça fait toute une ponctuation là, c'est toute une écriture, ça regarde. Dès qu'on se déplace, on est tout de suite repéré par les barrages. C'est incroyable. Alors tu penses que la panthère. Ouais. Regarde tout ce qu'on a vu ce matin. Tout se réveille tout doucement après une nuit très froide. C'est magique.
toi, quand tu dois revenir dans les Vosges et que tu dois avoir un peu de, des échos de l'actualité et de tout le théâtre de marionnettes des hommes, tu dois trouver ça à la fois absurde et effroyable, quand même. Non, mais c'est sûr que les retours sont parfois un peu compliqués. Mais je le sais, hein, ça fait plus de 20 ans. Moi, c'est vraiment des respirations d'aller dans des endroits comme ça. C'est un peu une fuite, finalement. Tu vas dans une nature où, qui n'a pas été bouleversée, qui n'a pas été, tu vois... Où l'homme n'a encore pas vraiment mis une grosse, sa grosse griffe dessus, quoi. Autour de ma maison, c'est hallucinant, l'espace de 20 ans, comme on n'a aucunement respecté le vivant, quoi. Mais ne serait-ce qu'un bel arbre, un beau chêne qui trône dans tout un champ, les haies, et j'ai pu voir que tout s'est détérioré, quoi. Et ça, c'est assez viscéral, c'est assez étrange, hein. Quand t'as grandi dans ce milieu-là, t'es tout gamin, t'as fait des affûts, t'as passé des temps, enfin des émotions fortes, ça m'a construit. Et quand tu vois que ce monde-là part... En vrille, c'est pas en vrille, comment tu dis, en décrépitude. En décrépitude, et ben ça, c'est intérieur, ça te fait super mal. Et donc j'ai besoin, Kamchatka, le Grand Nord, là où il y a quasiment plus de présence humaine, ou alors des nomades, comme ici, qui vivent en harmonie finalement. C'est vraiment le mot que l'on n'a plus. Ça fait du bien à tout le monde, ce genre de paysage, tu crois pas? Ouais, je vois pas comment un artiste, un peintre par exemple, pourrait ne pas être sensible à ses formes et à la beauté des animaux. À la beauté parfaitement intégrée des animaux dans un paysage. Après, ce qu'on me reproche, c'est parfois de photographier vraiment... ce qui est joli et d'occulter tout ce qui est moche, tout ce qui est laid. C'est vrai que j'ai pas vraiment une démarche de photojournaliste à montrer ce qui va pas dans la nature. C'est un vrai choix, de creuser le désespoir ou de célébrer la beauté. Ce matin-là, Munier voulait me montrer les yaks sauvages. Il vénérait ces bêtes et parlait parfois d'elles de sa voix murmurante. T'as vu, ils se dirigent tous vers l'est. On va essayer de les approcher, là, c'est pas... Un excellent odorat, ils te voient. C'est pas évident de jouer à cache-cache avec les rochers, avec le relief. Et puis dès qu'il y en a une sur une femelle qui t'aperçoit, tout le monde décampe. A l'inverse, quand t'as un mâle solitaire, c'est un peu dangereux. Surtout là, ils sont en pleine période de rut, c'est pour ça qu'on entend ces gros, 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 très, très profond.
chargé, quoi. C'était des totems, envoyés par-delà les âges. Ils étaient lourds, puissants, silencieux, immobiles, si peu modernes. C'étaient les vaisseaux du temps arrêté. La préhistoire pleurait, et chacune de ses larmes était un yak. Là-bas, il y a toute une zone rocheuse qui doit être intéressante pour la panthère. Faudrait y aller. Allez, jeter un œil. Panthère. Le nom teintait comme une parure. Rien ne promettait d'en rencontrer une. L'affût est un pari. On part vers les bêtes. On risque l'échec. Certaines personnes ne s'en formalisent pas et trouvent plaisir dans l'attente. Hélas, je n'étais pas de ce genre. Moi, je voulais voir la bête, même si, par correction, je n'avouais pas mes impatiences à Munier. Patte avant, patte arrière. Mais purée, c'est magnifique, c'est ce que c'est presque fossilisé en fait. Ça se trouve, elle est très très vieille, cette trace, comme il pleut jamais. Tu vois, ce qui me fascine chez toi notamment, c'est la connaissance très poussée de toutes ces formes du vivant. L'intérêt que tu y portes, la passion, ça me fait réfléchir là, depuis quelques jours. Je te regarde évoluer au milieu de ces parages naturels et détecter chaque mouvement, t'intéresser à chaque oiseau, regarder les traces de chaque animal, t'émerveiller de chaque rencontre. Assister à ça, ça me ramène à l'incroyable indifférence avec laquelle j'ai traversé les paysages pendant des années, sans me rendre compte qu'ils étaient tellement peuplés. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure. À peine conscient.
Ces heures de vigie se situaient aux antipodes de mon carnaval de voyageurs. Jusqu'alors, je butinais mes passions désordonnées et menais le train d'une vie hâtive. Je multipliais les voyages, sautant de l'avion pour reprendre le train et glapissant de conférence en conférence, que l'homme aurait tout intérêt à cesser de s'agiter. Vers 4h, on se met à traverser. Voilà. Donc là, on aura un superbe entrejour, on sera plein de risques. Le vent a l'air bon. T'imagines là, elles peuvent vraiment être partout, partout, partout. Donc si t'es pas vraiment un acharné, et puis si tu balayes pas avec ta longue vue, tu vas de manière un peu disciplinée, de chaque rocher. La part cachée du monde. Ouais, exactement. Alors c'est sûr, hein, des fois tu vois déjà des journées comme hier, celle d'avant. C'est sûr, c'est pas très encourageant, quoi. Avoir une bonne vie intérieure, hein, quand même, quand tu fais des affûts tout seul. Toi, quand tu fais un affût comme ça pendant 2 jours, c'est fantastique pour la méditation et la pensée. Mais tu dois. Est-ce que c'est pas comme dans les insomnies où tu finis par développer des pensées noires? Tu sais, la nuit. Ah non. Tu restes immobile, tout seul à scruter des rochers. Tu dois finir par moudiner sévère du ciboulot quand même. Oh non. Non? Ah non, mais vraiment pas. Oui. Vraiment pas. C'est fou, hein? C'est bien. Ça veut dire que tu te sens là où tu dois être, quoi. Ouais, mais complètement. Dès que je me retrouve en ville, je suis un autre homme. J'ai l'impression de jouer un rôle. Alors que là, dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher. En tout cas, c'est ça, c'est une réalité. C'est vrai que j'occulte un peu tout ça, quoi. Tout ce vacarme qu'on peut faire. Bah, écoute, ce petit nuage nous a saupoudré le paysage, c'est cool. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de se lever. Je l'ai dans la lunette. On est pas bien là. On n'est pas bien là. Bon, je vais mettre mes chaussettes chauffantes. C'est les pieds, c'est ce qu'il y a de plus terrible à l'affût. Ah ouais.
Nous scrutions les paysages sans certitude de moisson. On attendait une ombre en silence face au vide. C'était le contraire d'une promesse publicitaire. Au tout de suite de l'épilepsie moderne s'opposait le sans doute rien, jamais, de l'affût. Si tu tournes légèrement la tête vers la droite, regarde, il y en a un petit ascenseur sur les lichens jaunes. Oui, il est parti. Et là, regarde, un faucon sacre en haut de son piton. L'art du camouflage. Tu sais que ça m'est arrivé de la photographier sans m'en apercevoir. C'est-à-dire ? Une panthère que j'observe dès le matin. Et qui disparaît dans un petit cirque rocheux. Je me dis, mais elle peut pas m'échapper, elle est là. Et puis rien. J'attends, mais pendant des heures, jusqu'à la tombée de la nuit, rien du tout. Et un faucon, à un moment, arrive, se pose sur un rocher, un éperon rocheux. J'avais un gros téléobjectif, c'est un 800 mm. Donc je me décale doucement, je fais cette photo. Et puis je rentre au camp. Deux, trois mois après, en regardant mes images sur l'ordinateur, je vois cette photo de faucon. Et j'ai eu un choc. Le long du contour de la roche, derrière, la tête de la panthère, en fait, elle était là, elle me regardait. Et tu ne le savais pas ? Et je ne le savais pas. Le simple fait d'être là avec elle dans ses tours, dans ses labyrinthes, et de savoir qu'elle rôde et qu'elle est là et qu'elle se repose, c'est déjà un moment merveilleux. C'est rempli, Sylvain. C'est passionnant tout ça. Ça, c'est un truc dont je me rends compte depuis deux jours. Moi, j'ai circulé comme un malade dans ces endroits-là sans jamais rien voir. Mais jamais rien. Et je me dis, mais j'ai 45 ans et le nombre de bêtes qui m'ont vu. C'est sûr. On est énorme. Mais comme je vois tout ce que tu as. On est beaucoup plus. Là où t'es allé, mais ouais. Mais c'est sûr. C'est sûr. Et on ne sait pas, c'est incroyable ça. Mais c'est une nouvelle, c'est apprendre à lire différemment. Big Brother is watching you. Sauf ouais, c'est les bêtes. C'est les bêtes qui t'aiment. Ouais. Mais partout, tout le temps. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que nous, on est tellement plus animal. On a une déconnexion qui fait qu'on sent les gros ballots de la nature. Quand on sent quand on monte, là, on galère. Ah bah ouais. 5000 mètres, on est les lourdeaux, quoi. Ouais. Et on sait pas bien observer, on sait pas bien sentir, on a plus tous nos sens ne travaillent pas suffisamment, quoi. Mon plus grand rêve serait d'être invisible. On essaye tant bien que mal d'être camouflé, mais on n'y arrive pas. D'être invisible. J'ai beaucoup circulé, j'ai été vu, et je n'en savais rien. Et je n'en savais rien. J'ai beaucoup circulé, j'ai été regardé et je n'en savais rien. C'était mon nouveau psaume. Et je le marmonnais à la mode tibétaine en bourdonnant. Il résumait ma vie. Désormais,
je saurais que nous déambulions parmi des yeux ouverts dans des visages invisibles. Oči strasni, i prekrasni, kak ljubio je vas, kak boju je vas, ja ju vnidrječa. Не. Очи черные. Un chat de palace, Autocolobus manule, surgit sur un piton rocheux avec sa tête hirsute, ses canines seringues et ses yeux jaunes, corrigeant d'un éclat démoniaque sa gentillesse de peluche. N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge, disait sa grimace. Offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre. Je m'acquittais de mon ancienne indifférence par le double exercice de l'attention et de la patience. Appelons cela l'amour. Du Tibet. Il est sur un trou de pick-up. Oh, ça y est. Ça y est, il l'a eu. Il est fort.
Rencontrer un animal est une jouvence. L'œil capte un scintillement. La bête est une clé. Elle ouvre une porte. Derrière, l'incommunicable. Dans sa vie, Munier avait toujours voulu jeter un coup d'œil de l'autre côté. Nous partîmes vers le sommet qui dominait le plateau à plus de 5000 mètres. On a toujours l'espoir que, de l'autre côté, s'étende un nouveau territoire de la liberté. Une patrie pour les panthères. Pour peu qu'on les cherchât, les zones d'ombre existaient. Il suffisait de pousser les bonnes portes, c'est-à-dire de trouver les bons cols. Et de l'autre côté, c'était un pays de vallons et de crêtes, où la présence de l'homme se résumait à quelques nomades poursuivi par le vent. S'il arrive de loin, on peut avoir toute son avancée, quoi. Ou l'inverse, s'il arrive par là, on peut avoir toute sa jolie queue. Et le voir partir jusqu'au bout. J'hésite à mettre 2 minutes de vidéo. On va laisser 1 minute, je sais pas. Après, on ne sait pas. Elle peut passer peut-être.
une fois par semaine. Ça va être la grande surprise. Ça, c'est de l'ours. Là, on voit qu'il est descendu dans la vallée manger un peu d'orge ou de blé, pas loin du village. Ça, c'est de l'ours, la taille comme ça, tu vois, s'il n'y a aucun doute. Et ça, regarde, ça, c'est pareil. Ours. Ouais, on voit que c'est tout lustré, là. Pas les animaux. On voit du poil et de la bourre. On voit bien que c'est un animal qui était soucieux d'être dans un certain confort. Il a arraché la mousse. C'est creusé, tu vois, ça se trouve, c'est vraiment un refuge d'ours qui est là depuis des années, des centaines d'années même. Et... Oui, ça veut dire qu'il vient dormir ici. Il n'y a rien là-haut. On voit toute la paume du plantigrade. Là, là, il y a du slowy, tu vois. Ça paraît tout frais. Là, c'est tout frais. Ouais. C'est les premières traces d'ours que je vois. Au Tibet, quoi. Ouais. Il est tellement discret, je l'ai encore jamais vu. C'est la première lecture du monde, en fait. C'est ça le plus vieux métier du monde. Ouais. Ouais, lecture de traces. Ça remonte à très loin. En fait, t'es pas très évolué. Ouais, c'est un peu ça. À l'échelle de l'humanité. Ouais, ouais, exactement. T'es au tout début. Ouais, j'en suis fier. L'ours des cavernes, quoi. Regarde ça. Et ça, c'est un de mes rêves de voir. La silhouette d'un ours comme ça. Là, là, du renard. Crotte de renard. Renard du Tibet. Ouais, là, c'est... Non, mais c'est profond. Mais, hein. Mais c'est usé, tu vois. Ouais, c'est... On voit que c'est très passé. Il y a voir ici, au fond. C'est beaucoup plus humide, donc ça marque bien. Regarde là. Là, tu vois. Panthère. Là aussi, là aussi. Oh, panthère. Elle est allée vraiment loin, au plus profond de la grotte. Thank you.
sur l'autre, ça arrive ici là en fait. Exactement, alors bon. Ça, j'en mets deux des fois. C'est pas non plus super fiable. Bah, j'ai rien du tout. Rien. Ça me surprend, j'ai pas au moins plus de clips là où on est passé quand on a fini de poser le piège. Attendre était une prière. Une bête venait, c'était l'apparition. Il avait été utile d'espérer. Et si rien ne venait, c'est que nous n'avions pas su regarder. L'affût était un mode opératoire, mais au retour, il faudrait que j'en fasse un style de vie. Ont tendance à suivre les prédateurs pour bouffer les restes de leur proie. C'est bon signe pour notre panthère. C'est le moment le plus propice. Là où elle bouge. Et toi, le fait qu'il s'est gueulé énormément dans le canyon, je la soupçonne là. C'est de l'aligo. Je sais pas, c'est un machin aligo. Avec tout ce que je sais. Je crois qu'on est repéré.
les gambas. Et nous, on attendait la panthère, hein. C'est pas toi qu'on voulait. C'est dur, hein. Bon, ben ça, c'est ce qu'on appelle un affût discret. Ah, si, hé. Ça, cherche la panthère. On va leur faire, un dessin, un souvenir. Et pendant ce temps, la panthère nous regarde. C'est lui qui a trouvé ? Ouais, il a trouvé ma liste de musique. Incroyable, non ? Des. Des. Ça. C'est le chat, je sais pas comment ils le disent. Zou, salabé. 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 I, un, ça, ce, ou. I, un, ça, ce, ou. Le, tu, pas, tu. Ou. Et toi? Ah, tja. C'est quoi, tja? Ah, 8. Dia. Dia. 8 ans. Dia. Tu je me demande ce qu'il fait comme étude. Alors, comme il est un petit bonze, je suppose que c'est Nancho. Nancho. Nancho? Nancho? Nancho. Nancho. D'accord. Alors, après, il faudrait savoir combien ils ont de yaks dans cette ferme. Alors ça va être compliqué. Alors... Ya. Mais non, c'est pas les dents, ya. C'est le yak mâle. Ça va pas du tout, cette méthode. On va mettre un replay là-dessus. Alors j'ai une bête de nuit, mais il a déclenché un peu tard. C'est qui, ça mal? Je sais pas. On va voir la suivante, je te remontrerai après, mais... Oh, regarde, c'est quoi ça? Renard. Ouais. Vu les températures et tout, c'est pas très fiable. Ça, c'est un renard du Tibet. Ouais. Encore un. Ouais. Allez, bon. Renard du Tibet, t'as la date.
C'est écrit un tout petit. Cette nuit. C'est cette nuit. Il y a quand même un... Oh putain, regarde! La panthère, camarade. Ouais. Oh, c'est fantastique. Elle s'arrête... Hey, c'est la panthère, au milieu, elle s'arrête devant le piège, magnifique. Regarde elle ça, baille. Elle baille. Oh. Hey. Ouais. Elle est là. Oh, c'est, moi, moi. C'est incroyable. Attends, c'est l'armée. Boum, boum, en plein milieu. Elle s'arrête un elle coup elle s'arrête à droite. Tout poil devant le piège. Elle le sent pas, hein. Rien, elle voit rien du tout. Elle baille. Incroyable. Mais t'as vu, elle, bizarrement, elle est venue sur la droite. Elle est venue sur la droite. Alors que je l'attendais de face. Ça veut dire qu'elle est arrivée par là. Ouais, elle arrive par là. Et en plein jour, hein. Allez, on reviendra peut-être dans 2 jours. Je pense que ça vaut le coup de faire des affûts par ici. Ça rend tout bien. Ça consacre tout, tout devient beaucoup plus beau. Enfin, je sais pas si c'est mon imagination qui distord tout, mais... Tu vois ce que je veux dire, ça, ouais. Ça rehausse la valeur de tout. C'est incroyable. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est faire en sorte de... Bah de pas être vu, quoi. Tu vois, essayer de se faire un appui, ne plus bouger, et puis l'avoir. Mais d'être à sa place, finalement, d'avoir un organe de voix. Ça, c'est la stratégie de parler hauteur est la bonne. Ouais, je pense. Là, c'est très bien pour les observer, pour de loin. Mais si on veut les voir en déplacement et avoir des comportements, je pense qu'il faut qu'on monte un peu. J'en suis même sûr. J'aime bien balayer toutes les lignes de crête. Parce que parfois, tu vois une... Tu peux la voir en silhouette. Ah, ce serait magnifique, hein. Mais si elle s'est découpée en crête... Ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est son art où elle aime les chasser. Ils alertent comme quoi il y a le danger, quoi, ils se regroupent. Purée, j'y crois pas. S'il va. Il y a un ours. Il y a un ours en haut, en ligne de crête. Oh, génial. Ah, ils sont pas loin de la crête. Ah, ils jouent. A thing of those eyes. In the dark. Aïe, 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 merde, oui, ça passe de l'autre côté. Tu veux pas qu'on aille voir un peu? C'est un peu délicat, on va essayer. Ouais,
On va essayer. C'est délicat, on va y aller tout doucement. C'est délicat parce qu'on risque. On tombe dessus, tout de suite. On tombe dessus, ouais. C'est une mer avec deux oursons. Ça peut être dangereux. Viens vers nous, c'est sûr. Je sais pas. Si c'est eux qui viennent vers nous, ce serait moins gênant. C'est pas dangereux. Non, non. Ils se frottent à la pierre. Regarde-moi ça, il va se mettre sur ses pattes arrière. C'est qu'il est pas content. Non, 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 ça lui fait du bien. Ils adorent ça. Ne bouge pas, Sylvain. Ils nous ont vus, c'est certain. Ils nous regardent attentivement. Peut-être un moment où il faut qu'on y aille. Il est où le troisième? Allez, go. Voir une bête sauvage revenait à coller son œil à un Judas magique. C'était la vue d'un monde que nous pouvions étudier, photographier, décrire, comprendre peut-être, détruire sûrement, mais avec qui il nous était interdit de communiquer depuis que le destin nous avait expulsés de cet âge d'or où bêtes, hommes et dieux menaient une conversation commune. On est là, Sylvain. Ouais. Bien sûr. So. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Merci. Sylvain. Sylvain. Yes. Voilà donc des semaines que nous étions là à balayer les crêtes. Mon beau voyage, hélas, était près de sa fin. Et je me voyais déjà accepter le fait que la panthère nous avait échappé. Fataliste, je me serais forcé à me féliciter de son absence et à me convaincre que mon rêve
gagnait à demeurer intacte. Un être vous obsède, le monde prend sa forme. Profonde. Ouais. Elle est magnifique. Magnifique. Il y a même un sac de baral. Non mais c'est magnifique. Un beau mal. Putain, vous voyez pas d'en face à cause de cette petite butte, la profondeur, mais finalement. Tiens, bah regarde, il est... Ouais, c'est l'autre. Faut l'emmancher. La corde. Et on a le Tibet dans l'ouverture. Oh, génial. Et on aurait la vue sur le vallon de là. Là, je pense qu'on parle, on va la voir. Fait pour pas la voir. Dingue. C'est complètement fou. Les charognards l'ont déjà vu, tu crois? Oh non, je crois pas. C'est vraiment... Ça paraît tout frais. Je pense qu'on va installer le camp, Sylvain. On va installer le camp, préparer le matos. Non, toi, alors, regarde, moi, je vais le dépirer. Je pense qu'on l'a dérangée en montant. Elle commençait à l'éventrer, quoi. Il y a du poil un peu partout. Donc, elle nous a vu passer, quoi. Elle est là. Elle nous observe. Il y a du sang sur la neige. La dernière tombée de neige, c'était il y a à peu près 2 heures. Mais elle l'a appris au cou. Elle l'a traîné dans le vallon. Et elle a commencé à donner des coups de croc. Ici, il y a beaucoup d'ermites qui viennent faire des temps de retraite dans les grottes. Ils nous l'ont dit, les nomades. Il y avait même un grand ermite tibétain qui s'appelait Milarepa, qui a passé je ne sais pas combien d'années de sa vie à vivre dans une grotte. Il mangeait des orties, il est devenu tout vert à cause des orties. Et il le vénère ici. Milarepa. Moi, je pense plus toujours animal, quoi. Ouais, d'ailleurs, je t'ai vu renifler la pierre, les parois en arrivant, ce qui est, ce qui est un genre. Hein, mais si t'es reçu chez les gens, par exemple, hein, pareil. Oui. Faut pas. D'accord. On va une dans les salons. Ok. Et ses pattes, qui est large comment? Comme plus large que ça. Certaines photos, quand elles déroulent ses pattes comme ça, quand elles sont en l'air, t'as l'impression que la largeur de la patte, c'est la largeur de sa tête. Ah oui. Tu te rends compte? Ouais. Ouais, et puis un barrel. Après la proie, nous parlâmes de la vie dans les grottes, de la peur vaincue par le feu, de la conversation née des flammes, des rêves qui devinrent l'art, du loup qui devint le chien,
et de l'audace des hommes à franchir la ligne. Puis nous nous glissâmes dans les duvets. Si la panthère venait dans la nuit, elle humerait notre fumée malgré le froid. Il fallait accepter cette idée déprimante. La terre sans l'homme. Oh, ça souffle là-haut, ça souffle. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai, Sylvain. Il y a quelque chose là-haut, en ligne de crête. Elle a bougé? Elle va bouger. Elle s'est levée. Je vois où elle est. Tu vois le gros bloc, Sylvain? Le gros bloc. Elle est à droite du gros bloc. Elle est vraiment en ligne de crête. Elle se détache dans le ciel. Sylvain, regarde. Regarde-moi. Tu vois le plus gros des rochers, le oui, plus sombre. Oui, il y a un peu rougeâtre. Un peu rougeâtre. C'est celui-ci, tu vas sur sa droite. Ok. Mine de crête. Tu l'as? Magnifique. Tu la vois bien? Ah oui, c'est génial. Ça, c'est lui qui me merveille. Thank you.
C'est un saisissement du cœur, quand même. C'est tout ce à quoi on a renoncé, nous. La liberté, l'autonomie, la connaissance parfaite de l'environnement. J'avais croisé le beau visage de l'esprit des pierres. Son image, glissée sous mes paupières, vivait en moi. Quand je fermais les yeux, je voyais sa face de chat hautain, ses traits plissés vers un museau délicat et terrible. J'avais vu la panthère, j'avais volé le feu, et je portais en moi le tison. J'avais appris que la patience était une vertu suprême, la plus élégante et la plus oubliée. Elle aidait à aimer le monde. Sur les pages de mes carnets, j'avais réuni les quelques principes que m'inspiraient ces journées passées à côtoyer la beauté. Vénérer ce qui se tient devant nous, ne rien espérer, jouir de ce qui s'offre, avoir foi en la poésie, se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure. And rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. Good news for we are not alone. We are not alone. Good news. We are not alone. Good news. We don't see them. Good news. We don't see them. Good news. We don't see them. Don't see them. Good news. We are not alone. Good news. We are not alone.
if we